C'était quoi? Hey, dumbass! Wanna move? Ah, c'était quoi, hein? Donc, on sait ce qu'ils ont entendu. Je vais vous poser le plâtre, ça va être un peu froid. Là, je vais vous mettre le vol de véhicule déjà. C'était déjà croisé en plus, je crois, monsieur Guillen. Je vous mets la tentative de braquage. Je vous conseille de pas du tout emprunter cette voie-là. Je suis dans le droit de vous retirer 6 points sur votre permis de conduire. Encore de vous ajouter un refus d'obtempérer. Je vais pas le faire. Je pense que vous avez compris la leçon avec votre accident. Et allez, c'est une chance qu'on vous laisse, monsieur Guillen. Je me suis fait choper par les flics. En train de faire quoi? En train de braquer. Et ouais, mon pote. Et j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Ouais. T'as la classe. Bah, qu'est-ce que je peux vous servir? Bah, je sais pas, c'est monsieur qui m'invite, je pense. Ok, bah. Ah bon? Bon, okay. Bah, la dernière fois c'était moi. Ok, c'est pas faux. À deux pressions. Ah, on peut faire de la musique aussi ici. C'est cool ça. S69. Ouais, faut que tu danses en même temps par contre. S69. T'as cru que j'étais une bête de foire ou quoi? Bah ouais, visiblement non. C'est pas le cas. Moi je mets l'ambiance, c'est tout, t'es un coincé du cul. Bien fraîche, hein, j'espère. T'as pas d'argent encore. J'ai eu transaction échouée, j'ai eu. Il a plus d'argent, ce type là, il est fauché. J'ai failli venir travailler pour vous. C'est vrai? Ouais, mais je suis désolé de vous dire ça. Alors vous êtes la patronne en plus, mais j'ai bien fait. De ce que j'entends, c'est pas folichon Paradise. Ouais, alors de ce que vous entendez, si vous vous fiez aux avis des gens, vous êtes mal barré dans la vie, alors surtout à Los Santos, hein. Ah ouais. Dites-moi enfin, pourquoi alors. Ça fait un mois et demi que je suis là, donc niveau d'avis des gens, la patronne elle est très gentille déjà, parce que la patronne elle a des salaires qui sont plutôt élevés pour un quota qui est pas très élevé lui. Après la patronne, quand les employés travaillent bien, elle prévoit des sorties. Et la patronne, quand elle est très fière de ses employés, elle peut payer la moitié de la voiture d'employé. Ah dans ouais. Dans la limite déraisonnable. D'accord. C'est-à-dire que s'il a une voiture à 50 000, elle donner 25. Ah, c'est et pas la mal. La patronne peut aider aussi, en plus du gouvernement, dans l'achat d'un appartement. Mais ça, la patronne ne le dit pas parce que. Mais vous pouvez parler de vous à la première personne, hein, pas de soucis. En plus, j'ai la voix cassée, donc c'est pas pratique. Ouais, c'est vrai. Alors, ça donne un charme à la voix cassée. Ouais, alors j'aime pas trop. J'ai ma voix un peu aiguë. Ah, si homme ou femme, ça donne un charme, c'est vrai. T'es pas d'accord, Jensen? Si, c'est vrai. Alors, moi, parfois, je crie tout seul dans ma chambre pour avoir la voix cassée. Hein. Non, j'étais en train de me dire aussi que. Oui, vous, le Paradise, vous organisez souvent des goûters. Aux pommes, chaussons à pommes, cookies. Ah, ouais, vous faites votre business sur un événement un petit peu sympathique, quoi. Ok, je vois. On va le déposer au garage ou pas tout à l'heure? Ouais, vas-y, je vais faire ça. Non, elle est pas mal ta moto, j'aime bien. Elle fait des petits oula hoop comme ça sur la route. J'aime bien. Hop, à un moment je suis passé comme ça à gauche et hop, et pouf, t'es repassé comme ça devant. Bim, mon gars, c'était trop stylé. Hyper synchro. Hyper synchro. Pourquoi t'as un tasseur de sortie petit PD? Ah, pour rien. Ok, pas de soucis. Arrête, j'ai besoin de ça. Arrête, je suis en train de saigner là. Putain, t'es vraiment enculé quoi. Qu'est-ce qui me tape en premier? Moi je te tape avec des points, pas avec une arme contondante quoi. Ok. Jensen! Jensen! Bah ouais, mais t'as ce que tu mérites, Jensen, putain! Je suis désolé, mec. Je voulais m'amuser de base et. Et j'ai même pas commencé en plus, c'est toi qui as commencé. Tu vois? Enfin, après tu me dis avec les points, je te mets une petite pêche, je voulais pas que tu crèves, putain. Je voulais pas que tu sois mal. Jensen.
ça peut pas être la fin. Jensen, putain, reviens. S'il te plaît, Jensen. Jensen. Oui. Oui, je te masse. Je te pompe la bite. Ça te fait du bien que ça te fait du mal, je sais. Oh putain, je m'en veux. Ici. Oui, ici. Quand je continue. Je vais pas appeler la meuf du paradise, elle avait un décolleté sympa. T'as raison, je l'appelle. On s'est battu, il est tombé. Et il me dit j'aimerais bien revoir la meuf du paradise avant de partir. Est-ce que vous pouvez venir ou pas? Oui. Non. Non, je vous assure que c'est la vérité. Au garage du Nord. Au garage du Nord, ouais. Bah super. Ouais, super. Ok. Elle arrive en hélico. Oui, c'est la meuf du paradise. Reste avec moi, Jensen. Reste avec moi, Jensen. Ouais. On sort du paradise, c'est pour ça. Ah d'accord. Et vous êtes un peu alcoolisés tous les deux? Tous les deux, ouais. Ouais, ça va mieux, ça sent un peu bazouillard, hein, mais ça va passer. Vous avez quelques pains? Bon, à la joue. Il m'a frappé, évidemment. Bien sûr. Ouais, la tête. Ouais, mais je savais pas qu'il tenait pas l'alcool comme ça, le type. Hein. Oui. Arrête de foutre ma gueule sans déconner. Ouais, j'ai pris deux crochets dans la figure, là. C'est bon. Bref. Merci, docteur. Docteur, merci. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée, bon courage. Faites un peu attention à vous, s'il vous plaît. Ouais, c'est la descente. Bonne soirée. Au revoir. Allez viens, la chambre.